J'ai commencé la batterie très très tôt, à l'âge de 5 ans en fait, mais j'aime bien blaguer en disant que j'ai commencé mon premier jour, parce qu'en fait, depuis tout petit, naturellement, je tapais partout, j'étais hyper attiré par le rythme, je prenais les casseroles de ma mère, les cuillères, et je tapais vraiment de manière un peu anormale. Et j'ai eu une dérogation pour commencer le conservatoire à l'âge de 5 ans au lieu de 6, donc j'avais un super prof au conservatoire de Suresnes. Juste à côté de Paris, Christian Guyot qui s'appelait, qui m'a vraiment donné sa passion pour la batterie. Et à partir de là, j'ai toujours continué, ça a toujours été ma passion forte. Alors, donc j'ai commencé au conservatoire de Suresnes tout petit, puis j'ai eu à partir de l'âge de 14 ans un prof très important pour moi qui s'appelait Thomas Patrice, qui m'a apporté énormément techniquement, lecture, le concept de l'instrument et plein d'autres choses. Et puis rapidement après, j'ai commencé la percussion classique près de Paris, au conservatoire de Boulogne. Et surtout, ce qui est fondateur pour moi, c'est qu'à l'âge de 19 ans, je suis parti aux États-Unis. Et je suis parti pendant 10 ans. Donc j'ai commencé par faire 4 ans au Berklee College of Music à Boston. Et puis après 2 ans à la Manhattan School of Music de New York, où j'ai étudié avec tout un tas de professeurs vraiment extraordinaires. À commencer par Ralph Peterson à Berklee, Ian Fromman, Bob Gilotti, Hal Crook. Plein plein d'autres et à la Manhattan School il y avait John Reilly, Rogerio Boccato, Samir Chatterjee. J'ai rencontré aussi des mentors notamment Obed Calver et Eric Harland qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours. Et voilà, donc je suis resté après à New York où j'ai vécu en tant que jazzman, ce qui m'a énormément formé, énormément apporté. Donc j'ai fait 10 ans en tout, donc voilà, 4 ans à Boston, 6 ans à New York et je suis revenu en 2020 à Paris. Alors l'histoire est drôle parce que j'ai rencontré Guillaume Estas, qui est le directeur actuel de l'American School à Berkeley. On a eu un semestre en commun et donc on s'est rencontrés par un ami commun français à Boston. Et en revenant en France, je les ai contactés. Il y a aussi un élève qui m'a recommandé et il cherchait un professeur de batterie et moi je cherchais à passer ce que j'avais appris aux États-Unis. Donc c'était le bon moment et le bon match pour les deux parties. Ce que j'adore à l'American School, c'est vraiment le côté familial en fait de l'école. C'est qu'il y a des petits groupes qui s'entraident beaucoup, qui apprennent ensemble, qui jouent tout le temps ensemble. Il y a des jams, des sessions, même une pratique avec les salles de batterie où les élèves se posent tout le temps des questions. Ah, comment tu fais cet exercice? Tu peux me montrer? Tu fais ce truc-là? Ah ouais, tu travailles ça et tout. Et ça, c'est vraiment super qu'il y ait ce côté. Bande et famille qui est hyper agréable pour tout le monde. L'autre aspect, bah, ça c'est plus pour moi, plus égoïstement en fait, c'est que tous les élèves sont super motivés et veulent tous être professionnels. Et donc du coup, il y a une vraie énergie en fait de la part de toute cette bande-là. Et donc ils arrivent quand même prêts, avec des questions, et ils remettent en cause ce que je leur dis, ils me reposent plus de questions. Et pour moi, c'est hyper motivant parce que je peux vraiment parler de choses super intéressantes, profondes, vraiment parler musique à un niveau assez avancé en général. Et voilà, donc l'échange est super complet. Alors l'histoire est incroyable et à chaque fois que je la raconte, on peut même pas le croire en fait. C'est qu'il m'a repéré sur Internet et il a regardé une vidéo de moi qui jouait à une jam session au Duc des Lombards. En fait, à cette jam, et souvent dans toutes les jams de Paris, il y a un type assez incroyable qui s'appelle Malik Lewis qui vient et qui filme tout. Il est avec son téléphone et il est super connu parce que c'est un mec adorable et qui a voilà, cette passion de filmer et de poster le lendemain sur Internet toute sa soirée. Il fait ça depuis plus de 10 ans. Il a plus de 25 000 vidéos sur son compte YouTube. Et Malik était là ce soir-là, j'étais au Duc. Je vais jouer avec ce bassiste qui s'appelle Adrien Ferraud, qui est un super pote, on s'adore, on a pas mal joué ensemble. Et du coup, on monte sur scène voilà, pour faire un morceau. Et en fait, Birelli est tombé sur la vidéo de Malik Lewis. C'est incroyable parce que la chaîne YouTube n'est pas tellement suivie. Il y a tellement de vidéos en fait. Mais en fait, Birelli avait envie de regarder ce que devenait Adrien parce qu'ils ont joué ensemble il y a très longtemps pour leur projet électrique. Et il a cliqué sur cette vidéo. Il m'a vu jouer et apparemment, il a vraiment aimé. Et il a commencé à demander conseil à droite à gauche. Qui est Raphaël? Il a écouté mon album, mon premier album qui s'appelait Faune que j'ai sorti en 2020.
Et il m'a contacté. Et un beau jour, je reçois un texto comme ça. Salut Raphaël, c'est Birelli. Est-ce que je peux t'appeler cet après-midi? Et bah, des Birelli, moi, j'en connais qu'un. Et voilà, il m'a rappelé et il m'a proposé, en fait, d'abord un dîner, puis rapidement une tournée pour tester le groupe. Et lui, c'est quelqu'un qui répète jamais. Et du coup, voilà, il voulait juste qu'il y ait un échange musical directement, sans répète. Et on a commencé une première tournée en Alsace et en Allemagne. C'était 6 dates. Et il y a eu tout de suite une connexion musicale et ça s'est tout de suite très bien passé. Et voilà, donc ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant qu'on joue ensemble et c'est génial. Alors je viens de sortir un album qui s'appelle Letter to a Friend. C'est un album qui est en collaboration avec un artiste électro, un producteur électro qui s'appelle Martin Gretschmann, qui a comme nom de scène Acid Pauli. C'est un Allemand, un Berlinois, complètement taré, qui a notamment bossé avec Björk sur son album Vespertine en 2001. C'est lui qui fait certains des sons, qui est un album incroyable. Donc l'idée, c'était qu'il y ait un vrai dialogue entre humain et machine, en fait. Vu que lui, c'est le spécialiste des synthés modulaires, ce qui s'appelle, donc avec ces énormes machines qu'il ne peut pas vraiment déplacer, il peut rarement avoir des conversations avec des humains. Et nous, en tant que jazzman, on peut rarement avoir des conversations avec des machines. Donc je voulais créer un album où il y ait justement ce type d'interaction possible. Ce qu'on a fait, c'est que je lui ai envoyé mes compositions en MIDI. Il les a travaillées, il les a passées dans toutes ses machines, tous ses synthés modulaires. Il faut voir qu'il a la plus grande collection d'Allemagne. Donc son studio, c'est une sorte de demi-cour de tennis avec que des synthés modulaires, c'est incroyable. Il doit avoir 10 000 câbles. Et donc il nous a préparé des tracks en fait à partir de mes compos, avec en imaginant certains moments ouverts sur lesquels on pourrait faire des solos. Au-dessus de ça, on est allé en studio, en quartet de jazz, donc avec Miguel Zenon au saxophone, François Moutin à la contrebasse, Gueorgui Mikadze au piano, évidemment moi à la batterie. Et on a joué sur les tracks, donc notre inspiration était complètement différente, parce qu'on ne jouait pas sur du silence comme on ferait d'habitude, on jouait sur des sons électro. Parfois il y avait des beats, parfois il y avait vraiment juste des couleurs, parfois des trucs complètement rubato, parfois on devait avoir des clics et tout. Il y avait vraiment plein d'approches différentes. Et il y avait donc des solos ouverts avec une vraie interaction humaine comme on aime le faire en tant que jazzman. Et quand je dis humaine, honnêtement, avec Miguel Zenon et François Moutin, c'est pas vraiment des humains d'après moi. Donc c'était vraiment un peu hors norme pour moi. Et donc je déclenchais les boucles, je les réenclenchais avec mon pad relié à mon ordi. Et en aval de ça, en post-prod, Acid Pauli a retravaillé ses tracks, et donc en fonction de ce qui s'était passé humainement et de comment on avait joué, comment on s'était inspiré de ses sons en premier lieu, il a retravaillé ses sons pour faire du coup une deuxième couche de synthé modulaire. Et du coup, il y a plein de sons, il y a plein de moments, et c'est le but, hein, où on ne comprend plus déjà si ça provient d'un son acoustique ou non. Si moi, déjà moi à la batterie, j'utilise plein de sons, plein de types de baguettes différentes. Miguel Zenon, pareil, François Moutin, pareil, il a une gamme énorme. Et donc on comprend plus qui joue quoi et si c'est de la machine, de l'humain. Et puis il y a vraiment ce mélange qui est basé du coup sur un aspect émotionnel qui, je pense, fait la spécificité de l'album. Ok. Un album fondateur pour moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est j'ai une passion bizarre, c'est les percussions sénégalaises. Voilà, quand j'avais 3 ans, je suis tombé sur la vidéo d'un très très grand percussionniste, du plus grand en fait, qui s'appelle Doudou Ndié Rose, qui est le plus grand percussionniste sénégalais, et qui a enregistré un seul album dans sa vie, vers la fin de sa vie, qui s'appelle Djaboti, en 91 exactement. Et c'est un album qui a été fait avec une centaine de batteurs. Quand je dis batteurs, c'est percussionniste sabar, et environ une cinquantaine de chanteurs, chanteuses. Et pour moi, c'est une masterpiece de la culture africaine, de la percussion, de rythme, c'est un bijou total. Voilà, c'est vraiment un album très très important pour moi. Un album plus récent, je vais citer un album avec mon mentor, Obed Calvert, en fait, qui a longtemps joué dans un groupe qui s'appelle le San Francisco Jazz Collective ou SF Jazz Collective. Ils ont fait cet album qui s'appelle La musique de Miles Davis, où ils reprennent plein de standards de Miles, à commencer par So What, etc. Et notamment, il y a un arrangement d'Obed de Beaches Brook, dont je suis vraiment fan, où il y a des changements de tempo. En fait, ils ont des sortes de codes
où tout le groupe change de tempo directement, et il y a une vibe et une maîtrise là-dedans que je trouve incroyable, et j'écoute ça tout le temps. Ok. Un exercice qui m'a fait souvent progresser, que je partage souvent à mes étudiants, c'est, on l'appelle le jazz workout, où c'est une sorte de brossage complet de toutes les possibilités mathématiques de où est-ce qu'on peut placer des combinaisons entre la caisse claire et la grosse caisse sur le pattern de jazz classique, donc en français on dit shabada, donc c'est. Voilà, ce qu'on commence, c'est qu'on va en fait analyser le fait qu'il y ait pour chaque temps trois croches possibles, donc trois positions en fait. On peut jouer sur la première croche, la deuxième croche, la troisième croche. Et on va exploiter ce fait-là et on va placer d'abord à la main gauche des notes uniquement sur la première, puis après uniquement sur la deuxième, puis uniquement sur la troisième croche. Et après, on va faire ça au pied droit. Première. Ça fait déjà un petit entraînement de coordination et d'indépendance. Et après, on complique avec des groupes de deux notes, des groupes de trois notes, des groupes de cinq notes et plein de combinaisons différentes.